Mesdames et Messieurs, bonsoir. Vous êtes très nombreux ce soir. On est très heureux de vous accueillir. Alors, euh, bienvenue à cette nouvelle édition des Figures marquantes de notre histoire. Vous le savez peut-être, cette troisième saison est consacrée aux figures de proue de la Nouvelle-France. Aujourd'hui, il sera question d'un grand navigateur, d'un homme qui a beaucoup fait peur aux Anglais, d'un homme qui a été, du ton, on le présente comme le fondateur de la Louisiane. Pierre le d'Iberville. Pierre le d'Iberville, c'est probablement, il fait partie des, de la première génération de Montréalais. Il est né en 1661 à Montréal. Je vous rappelle que Montréal avait été fondé à peine 20 ans avant. Il est décédé dans des circonstances extrêmement mystérieuses dans les Antilles et son corps a été enterré, tenez-vous bien, à La Havane. Alors, il faudrait bien un jour rapatrier ses restes au Québec. Je suis vous serez d'accord avec ça. Ça pourrait faire une très belle cérémonie, d'ailleurs, avis au, au gouvernement québécois. Alors donc, ce, ce personnage plus grand que nature, il a vécu dans la deuxième moitié, durant la deuxième moitié du XVIIe siècle. Et euh, il y a une belle phrase, une belle phrase de Guy Frégo, son biographe. Une belle phrase de, 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 de Guy Frégo lorsqu'il tente de, de résumer la Nouvelle-France. Il dit "Au fond, la Nouvelle-France, c'est une longue patience." Et une folle audace. La longue patience des colons, des habitants qui ont fait de la terre, qui l'ont transmise aux générations qui ont suivi, qui ont dû apprivoiser un, un territoire très inhospitalier, un climat difficile, mais aussi une folle audace. Si vous regardez la carte, si vous regardez la carte de la Nouvelle-France durant la seconde moitié du XVIIe siècle, c'est absolument incroyable, l'expansion de cette colonie, hein. Une expansion qu'on doit à qui Eh bien, qu'on doit à des explorateurs, un peu comme Pierre le Moine d'Iberville, mais à d'autres. Des explorateurs qui espéraient trouver toujours un, une route pour aller vers l'Ouest et qui espéraient aussi peut-être trouver des richesses en passant. On la doit aussi à des missionnaires qui voulaient aller convertir des païens aux confins du continent et qui racontaient dans des récits qu'on a conservés ce qu'ils découvraient, ce qu'ils apprenaient. On la doit aussi à des coureurs des bois qu'on appelait aussi des voyageurs. Qui faisaient la traite des fourrures, qui rencontraient, donc, qui vivaient parmi les Amérindiens pendant quelques mois, parfois quelques années, qui revenaient tatoués, habillés, comme souvent des Amérindiens. Donc, on doit cette expansion, cette folle audace, pour reprendre les mots de Guy Frégaud, à, à tous ces gens. Et quand vous regardez la carte de la Nouvelle-France euh, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, eh bien, vous voyez une expansion vers le nord, vers la baie James, une expansion vers l'ouest, les lacs supérieurs, les grands lacs. Et puis plus tard, au 18e siècle, on le sait, ça ira jusqu'aux Rocheuses, mais ça, on en reparlera avec un autre invité avec, qui nous parlera de la véranderie. Ça va aussi vers le sud. On emprunte ce chemin nouveau qu'on ne connaissait pas, ou à peine, le Mississippi. Au départ, on pensait que le Mississippi pouvait peut-être aller jusqu'en Californie. Or, on découvre peu à peu, en le sillonnant, euh, durant les années 1670-1680, guidé par des Amérindiens, on découvre que ce fleuve se jette dans le Golfe du Mexique, et c'est là, en 1690, en 1699 plus précisément, que Pierre Lemoine d'Iberville va fonder donc la Louisiane. Donc un personnage plus grand que nature, un, un personnage qui euh, a fait vraiment trembler ses ennemis, que ses contemporains décrivent comme un meneur d'hommes, comme un, un navigateur et un militaire intrépide, sans être téméraire. Euh, et donc un personnage qui a vraiment marqué ses contemporains et dont on parle encore finalement. Alors pour euh, comprendre mieux ce destin, pour comprendre mieux ce personnage, on a invité euh, une personne qui détonne par rapport à nos autres invités. En général, nous invitons des, des professeurs d'université, des chercheurs. Mais lui, c'est quelqu'un qui est vraiment un passionné de la Nouvelle-France, un passionné d'histoire, qui a beaucoup étudié notre personnage. Il est évidemment un membre bien connu du groupe Loco Locas. Il est maintenant écrivain. Il, a déjà, il vient de publier son sixième roman, d'ailleurs, qui est consacré en partie à un autre grand explorateur, Cadillac, qui a fondé Détroit. Je vous invite à le lire on en reparlera. Alors, je vous demande d'accueillir chaleureusement Biz alias Sébastien Fréchette. Oui. Bienvenue. Merci. Merci, Eric. Bonjour, merci. Alors, Biz, merci beaucoup d'avoir accepté ça, notre invitation. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Oui. D'autant que, vous le disiez, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un professionnel. Moi, je m'intéresse à l'histoire comme je m'intéresse au hockey, c'est-à-dire dans l'optique d'une ligue de garage. Donc, je, tra je travaille fort dans les coins de l'histoire. Mais en tant que, vraiment en tant que passionné, vraiment. Oui, en, en tant que passionné, parce que euh, moi, ce que je constate, c'est que, bon, vous avez comme une deuxième carrière d'écrivain, vous en êtes à votre sixième roman. Vous venez de faire paraître Cadillac. D'ailleurs, ce serait intéressant de nous expliquer brièvement comment vous en êtes venu à vous intéresser à ce personnage euh, qui a fondé, dit-on, « Détroit ». Euh, mais ça vous vient d'où, cette espèce de, de volonté de, de mieux faire connaître l'histoire et de mieux faire connaître certains personnages comme ça de la Nouvelle-France? Ben, je crois que c'est d'abord en um, m'y intéressant moi-même. Euh, on en discutait en, en coulisses tout à l'heure. Les souvenirs que moi j'ai de mes cours d'histoire au secondaire, surtout concernant la période de la Nouvelle-France, ne sont pas très palpitants. Hein, <laughs> on calculait les, les, les prix des, des minots de blé puis les, 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 les la, la fourrure. Alors à un moment donné, on avait fait le tour, mais. Mais on ne nous a pas parlé des héros qui ont fait cette. les, les héros de la folle audace dont vous parliez tout à l'heure. Et pourtant, ces héros-là, ils sont euh, extraordinaires. Euh, je veux dire, ils, ils sont dignes de, des plus grandes mythologies. Là. Et, et, et ces gens-là sont, 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 sont réels. Là. Ils, ont, ils, ils parcouraient un territoire, comme vous le disiez aussi, qui était euh, pharaonique, dont on n'a même pas idée maintenant. Et pour être allé à Détroit en auto, c'est long par la 401. Là. Fait il faut s'imaginer en canot par le nord avec les flèches iroquoises au travers de tout ça. C'est tout un contrat. Là. Et Champlain qui faisait ses traversées, qui a fait une trentaine de traversées sans jamais perdre un seul bateau, mm. qui est il était l'équivalent à l'époque d'aller sur la Lune carrément. Ouais. Alors, on ne on mesure pas. Et moi, je trouve que plus. En m'intéressant à ces figures-là, moi, ça me rend mon, 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 mon Québec plus supportable. Je veux dire, quand il fait moins 40 et qu'on pleure parce qu'on ne veut pas aller chercher du lait au dépanneur, mais rappelons-nous qu'il y a des gens qui s'en de fourrure, Radisson, par exemple, qui partait de la Baie-James qui s'en allait euh, dans le nord de l'Ontario avec une seule hache et un seul poignard. Puis, il y en avait pour deux semaines de marche à manger ce qu'il trouverait, c'est-à-dire des corbeaux, des fois, ou des fois, non, quand il n'en trouvait pas. Donc, je veux dire, c'est... C'est inimaginable l'adresse, la, la ruse, la force de ces gens-là. Puis on n'a pas le droit, nous, d'être des momounes quand on a des ancêtres comme ça. T'sais, je veux dire, on n'a on, on pas le droit de se plaindre qu'il fait trop fret au Québec maintenant, quand même. Non, non c'est un peu gênant, en effet. Euh, <laughs> et, puis, et puis, Pierre Lemoine d'Iberville. Quand est-ce que vous l'avez croisé Parce que c'est pas la première fois que si on vous a invité, c'est parce oui. qu'à plusieurs reprises vous avez manifesté votre, votre intérêt, votre passion pour ce personnage-là. C'est vrai. Vous avez même dit, moi là, si j'avais un, un palmarès là, de toute époque, de toute catégorie, c'est le numéro un. Moi, c'est mon héros préféré. C'est mon héros québécois préféré, toute catégorie confondue. Ça comprend René Lévesque, Papineau, Cartier, Champlain. Oui, parce qu'il y avait du monde avant René Lévesque, Ça des fois, on a. Euh, oui, oui J'ai l'impression qu'il y en a qui l'ont oublié. Et, et on, peut, on, peut, on peut considérer aussi Léo Major, le, le Rambo québécois qui a libéré euh, un village euh, des Allemands presque à lui tout seul. Donc, bref, on ne manque, manque pas de héros. Mais souvent, je trouve qu'au Québec, on a, on a eu tendance à glorifier historiquement, pour diverses raisons, les perdants sympathiques. Hein, euh, les, les Patriotes, par exemple, Papineau qui euh, harangue les troupes avec, euh, en enflammant euh, les, avec ses discours. Et là, quand le feu pong, ben il s'en va aux États-Unis où, où il se réfugie à Paris. Euh, et René Lévesque qui a, bon, qui, a, qui, a, qui, a, qui a essayé, qui a vraiment essayé, mais qui a, qui a, qui a perdu son référendum. Euh, qui a tendu l'autre joue avec le, le, le beau risque et tout ça. Alors que Diberville, lui, il ne mange pas de cette farine-là. Lui, c'est vraiment euh, pas de « Messieurs les Anglais, tirer les premiers ». C'est « Messieurs les Anglais, je vais mettre mes raquettes puis je vais aller vous botter les fesses euh, ». C'est comme, moi, j'aime le fait qu'en 20 ans de combat, tant sur mer que sur, que sur terre, donc de 20, à partir de 25 ans jusqu'à 45 ans, il n'a pas perdu une seule bataille. Et, et il en a fait des batailles. Il en a livré de la baie du Ton jusqu'aux Antilles. Euh, j'aime le fait aussi qu'il soit violent. Que quand, il y a les, quand il y a des attaques amérindiennes à Montréal par les Iroquois, il comprend que ce sont les Anglais qui les arment. Puis il dit, on va aller les frapper où ça fait mal. Puis il descend frapper les Anglais en disant, les ennemis de, de la patrie ne doivent pas être ménagés. Moi, j'aime cette posture venge, vengeresse et violente parce que je trouve qu'au Québec, euh, on est né pour un petit pain, il faut être gentil, il faut tendre l'autre joue. Euh, ben moi, à un moment donné, des fois, non. faut arrêter de se faire piler ses pieds, des fois. Voilà. Ça promet. Je pense que vous n'êtes pas le seul, visiblement. Oui, vous n'êtes pas ça. le seul. Non, mais en même temps, en même temps on le disait aussi, c'est quand même extraordinaire qu'on refuse des gens pour venir entendre parler d'un corsaire de la Nouvelle-France. Je veux dire, moi, ça me, ça me conforte, ça me rassure. Euh, bon, on n'a pas tellement de, de jeunes en secondaire 1, mais quand même, euh, euh, je trouve ça... Euh, ah, il y, y en a au moins un, quand même. Moins... Mon garçon qui est là aussi, il en, en fait deux. Mais quand même, le, que, que les gens manifestent de l'intérêt pour, pour notre histoire, pour notre passé, pour nos héros, je, je trouve que c'est quand même bon. Absolument, absolument. Puis euh, c'est tant mieux. Pour d'autres aussi, conférences, on a eu salle pleine. Pierre Lemoyne d'Iberville, donc première génération de Canadiens. Peut-être nous dire un mot sur... Euh, sur justement le fait, pour vous, c'est important. Ouais, c'est vraiment. Quand, quand on dit Canadien, vous comprenez bien que pour les, les Français de l'époque qui venaient travailler en colonie, on disait un Canadien, c'était ni un Amérindien et ni un Français. Voilà, c'était un, un nouveau genre, c'est un croisement euh, génétique même parfois. <laughs> euh, c'était des euh, parce que les, les Français qui arrivaient ici se rendaient bien compte que les gens n'étaient plus français mmh. très rapidement. Ne serait-ce qu'à mmh. cause du climat, ne serait-ce qu'à cause du contact avec les Premières Nations aussi. Mmh. Euh, donc déjà, on n'était plus dans, dans le mode de, opérationnel de Paris puis de la France en général. Donc lui. Quand on parlait, on m'avait demandé pour la revue Argument d'écrire un texte sur Pierre Lemoine d'Iberville. Puis moi, j'avais commencé le texte en disant si euh, on fait souvent des palmarès, le, le plus grand joueur de hockey de l'histoire, par exemple. Bon, alors, là, il y en a qui s'ostinent. Si tu un défenseur, c'est Gordie Howe. cest un attaquant, c'est-tu Gretzky C'est-tu Mario Lemieux C'est-tu Maurice Richard Ça dépend des époques. C'est difficile de comparer parce que les calibres ne sont pas les mêmes et les, les pièces d'équipement non plus. Donc, de la même manière, je me suis dit, amusons-nous à faire un palmarès des plus grands héros de, de l'histoire du Québec. Donc, euh, qui on mettrait là-dedans? Euh, ben, c'est sûr, on a, on a nommé Papineau, l'évêque, tout ça. Faudrait, ma, faudrait aussi nommer Trudeau Père, même s'il y en a qui grincerait des dents. Il ferait partie du lot. À quelle place il serait, ça c'est une bonne question. <laughs> euh, <coughs> Faudrait nommer par exemple Gondiarong, l'architecte de la Grande Paix, le, le, le grand chef amérindien. Donc, il faudrait nommer par exemple Marianne Gaboury, la grand-mère de Louis Riel, qui était la première européenne à aller dans l'Ouest. Donc, il y en aurait du monde à nommer. En quelle position les met Évidemment, c est, c est, ces palmarès-là, ça n'a aucune valeur à part que celui du plaisir de discuter de notre histoire mmh. euh, autour d'un verre, puis de se tirer à pied. Puis oh, moi j'aime mieux lui, moi j'aime mieux oui. lui. Pourquoi je commence avec d'Iberville Évidemment, je je ne compte pas Champlain et Cartier qui, qui ne sont pas nés ici. Alors, pour moi, pour, pourquoi D'Iberville est important? Il est important parce, à cause de ce qu'il a fait, à cause de son attitude, à cause de ce qu'il a été, mais il est important parce que c'est un des premiers, voire le premier grand fils de la Nouvelle-France. C'est lui qui a reçu en, en 1798 le premier la Croix de Saint-Louis qui récompensait, euh, remis par des mains de Louis XIV en personne, donc qui récompensait le mérite militaire, qui n'était pas tellement euh, prisé en, en France, mais au, au, en Nouvelle-France, elle avait une grande, grande valeur, cette, cette récompense-là. Et lui l'a obtenu, c'est le premier euh, Américain, en fait, à avoir obtenu cette... Mmh. Donc moi, à cause de ça, je, je pense que c'est un jalon dans notre histoire, en mmh. disant, euh, c'est sûr que Champlain... Champlain est plus important que d'Iberville dans la mesure où c'est lui qui a, qui a jeté les bases de la colonie, vraiment, là, avec, son, avec un projet et, euh, et avec son génie. Mais comme il n'est pas né ici, je ne le considérerais pas dans un palmarès de Québécois, mettons. Mmh. Mmh. Euh, dans ce palmarès-là, certains de nos grands-parents, arrière-grands-parents, auraient peut-être intégré dollard des Ormeaux, oui. des Ormeaux qui a joué un rôle en 1660, l'année avant la naissance. Puisque Montréal était une ville très exposée au moment de la naissance de, Absolument. de Pierre Absolument a permis, permis à Radisson d'envoyer de, 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 son, son convoi de fourrure à Trois-Rivières. Oui. Mais, mais, mais c'est ça. Dollar, il, il est ambigu. Il est comme plus héros. ambigu. Oui. Euh, lui, c'est un perdant qui s'est fait, euh, en attaquant les. Euh, en défendant un, son fortin, a lancé un baril de poudre qui a ricoché sur une branche, qui a, qui a fait exploser son propre fort, <laughs> et, et là, il s'est fait, fait ramasser par les Amérindiens à cause de ça. Oui. Donc. Bon. Euh, <laughs> C'est semi. Euh, moi, j'aime mieux qu'on qu consacre une fête aux patriotes qu'un bonheur d'exploser, mais bon. Oui, oui, je comprends. <laughs> <'est>... Je comprends. <laughs> euh, mais sinon, c'est ouais. parce qu'on on parlait. On, on, il, il naît à Montréal en 61, juste à côté ici sur la rue Saint-Sulpice, dans le vieux Montréal. Donc, c'est vraiment un pur Montréalais, un euh, ouais, pur ouais. jus. Parlez-nous euh, de sa famille. Mais ben, c'est ça. Son père, son père est un Normand qui est arrivé ici, je crois, en 1645. Et euh, rapidement, il devient un truchement, c'est-à-dire un interprète pour euh, le commerce des fourrures. Il apprend euh, quelques quatre langues autochtones qui parlent plus ou moins couramment et euh, se met, évidemment, à l'époque, on, on est donc deuxième moitié du 17e, on est au, le commerce de fourrures est à, à son apogée, c'est le fondement, l'existence même de cette colonie-là. Et euh, lui devient un, un, un commerçant de fourrures, un armateur, un, un, et il faisait partie... Euh, ça d'ailleurs, j'aimerais ça m'imaginer. Il faudrait faire des films avec ça. De la bourgeoisie de la fourrure de Montréal, les grands fourreurs de Montréal, qui ont donné naissance à une grande tradition aussi de, de fourreurs <laughs> moins respectables que ceux-ci. Mais il euh, y avait une vraie bourgeoisie. Il faut s'imaginer donc des seigneurs avec des côtes de fourrure puis des, puis des grands capots qui avaient relativement de l'argent et de l'influence aussi sur la destinée politique. Y il avait, y avait une petite il a une petite clique de, de mm -hmm. et, et lui, euh, le, non, d'Iberville père, en faisait partie. Mm -hmm. Il a eu une très grande famille aussi, oui. euh, une dizaine d'enfants. Mm -hmm. euh, malheureusement, d'Iberville est tellement éblouissant qu'il a fait de l'ombre à, à, à sa fratrie, mais ses, ses frères ont, ont participé avec lui à des expéditions. Il euh, y en a un qui a gouverné la, la Louisiane aussi. Euh, il y en a un qui a été un des architectes de la Grande Paix aussi. Donc, euh, sa famille, la famille d'Iberville est absolument. Euh je veux dire, euh, extraordinaire. Mmh. Elle, elle a un grand, une grande influence sur le destin de la Nouvelle-France, vraiment. Mmh. Et qu'est-ce qu'on sait justement de, de, de sa formation, de, de comment il a été éduqué Puisque bon, il n'y avait pas évidemment beaucoup d'institutions, euh, et en plus pour un militaire, comment, comment il s'est formé Comment il, a... ben, il, il Il était destiné à la, à la prêtrise au, au, au début, donc ses parents, parce que quand on a une famille de dix enfants, tu en donnes au moins un à, à Dieu. Hein, C'est la moindre des choses. Euh, et de ne pas, il faut dire, on n'a pas beaucoup d'informations sur... Euh, ben, sur D'Iberville en général et sur, sur le début de sa vie et la fin de sa vie en particulier. Parce que lui-même, dès... Mais comme, comme il a écrit et de la façon dont il écrit, parce que vous, si vous lisez la biographie de, de Frégo, on, on voit texto comment il écrit, c'est clair que ce gars-là est allé à l'école, c'est sûr. Donc probablement qu'il est allé euh, avec, avec les jésuites de, de Montréal. Euh, on voulait le former, mais à un moment donné, rapidement, il a délaissé le goupillon au profit de l'astrolabe parce que lui, ce qui l'intéressait, c'était la navigation. Et il a passé sa jeunesse sur les, les bateaux de son oncle, son oncle mm -hmm. qui était marin. Et à 20 ans, il était devenu un excellent euh, capitaine de navire, un maître nav de la navigation fluviale donc la navigation du fleuve et du golfe euh, qui était particulière il fallait gérer les glaces aussi. Euh, donc, il a, il a vraiment appris son métier. Contrairement aux Français qui débarquaient ici, lui, il est né dans le fleuve. Alors, mmh. il le connaissait très bien, il connaissait les eaux glaciales, ce euh, qui, qui, qui l'a beaucoup aidé d'ailleurs dans la baie du Tusson, euh, avec mmh. ses, ses combats ultérieurs. Mmh, mmh. Alors, euh, peut-être un petit épisode sur sa jeunesse. Vous dites qu'il n'avait pas trop le tempérament de, de, pour devenir un religieux. D'ailleurs, il a été accusé en 1686. Il a eu des petits problèmes avec la justice. Il a été accusé de crimes de rapte et séduction. Oui. Bien, c'est ça. Qu'est-ce de... que c'est ça C'était bien avant. Peut-être peut que aussi. la conférence va s'arrêter mais... mais... maintenant <laughs> là, si, euh, si on apprend ces choses-là. Là. Oui, c'est ça. Mais, mais tu vois, moi, c'est ça que j'aime aussi de ces grandes figures-là, c'est que c'est qu'ils ne sont pas les statues lisses que l'histoire en a fait. C'était hum. évidemment des gens de chair et de sang, avec tout ce que comporte qu de, de faiblesse quand ça concerne la chair. Et, et là. Euh, Grosso modo, euh, il a mis une fille enceinte et, et il a refusé de la marier après que la fille lui a annoncé qu'il avait un fils, un, un enfant. Et, et donc ça l'a, poursuivi parce qu'à l'époque évidemment pour l'Église c'était inconcevable qu'on ait des, oui, et des enfants. Oui, pour les femmes, c'est une façon de montrer que bon. On n'était pas une femme légère. Que en il, y avait, effet. il y avait un engagement. Ouais. Il y avait l'honneur de, de la femme elle-même, oui. il y avait l'honneur de la famille, la femme oui, aussi, le oui, père de la sûr. femme. Donc, il y avait beaucoup de pression qui était oui. mise pour que, euh, régulariser les, 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 les réputations, si on peut oui. dire. Et donc, euh, ça ne s'est pas fait. Et lui, évidemment, à Duberville, ce n'était pas compliqué. S'il y avait des ennuis avec la justice à Montréal, il prenait son bateau, s'en allait en, en Bédusson ou dans les Antilles, puis il y avait la paix assez rapidement. Mais ça l'a suivi. Ça a, ça a été une tâche longtemps. Parce que ce qu'il faut savoir aussi avec l'histoire de la Nouvelle-France, elle a été, dans un premier temps, racontée essentiellement par des, par des religieux. Et donc, il y avait un billet moral sur, sur ces héros-là. Euh, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui explique, par exemple, qu'on a très peu de choses sur Cadillac, parce que lui-même était aussi un fourreur, mais lui vraiment dans les deux sens du terme. Et. Et euh, donc, ces, ces, ces figures-là, qui avaient des, des mœurs moins conformes à l'idéologie de l'Église catholique, ont été, euh, ont été balayées au profit de euh, Champlain, par exemple, qui a toujours été euh, admirable. Ben, oui, qui qu enfin, qu est, qu est devenu plus pieux, plus qu'il vieillissait. À la fin, ouais. ce n'était pas clair s'il n'y avait pas été huguenot aussi, ouais, euh, ouais. en France aussi. Mm. Mais, mais donc, on, les, les religieux avaient mm. leurs grandes figures. Et celle de Diberville, elle n'était pas effectivement, elle ne correspondait pas parfaitement, mais par contre, je pense que n'importe quel curé était, était obligé de s'incliner devant sa bravoure et, et, mmh. et surtout, ce qu'on n'a qu jamais pu mettre en cause au niveau de Diberville, c'est son patriotisme pour le roi de France. Il a vraiment toujours travaillé pour le roi de France, contrairement par exemple à Radisson. Qui lui a changé d'employeur euh, parce que. Parce ouais. qu'il ben qu avait été reçu assez froidement. Mais ben voilà, aussi. parce que ça, et ça, il faut bien le dire, quand on dit Radisson est un virgapo, Radisson est un traître, c'est comme ça qu'on nous l'a présenté dans mes cours d'histoire. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à la suite de, de la bataille du Lonceau avec Delors des hormones. Il conduit un convoi de fourrures d'une valeur inestimable, ouais, qui inégalée. Vient, il probablement. vient de très loin en plus. Il vient des grands, des, des grands lacs ah, ouais. de l'Ontario, ouais. et, et lui ramène ça, triomphant, à, 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 à Trois-Rivières, et il se fait accueillir à Trois-Rivières. Le gouverneur, puisqu'il n'avait pas demandé de permis de traite, alors il emprisonne son beau-frère, euh, des groseilliers. Il, il donne une amende à. À, à Radisson lui-même, et il, il lui saisit son, sa cargaison de fourrure où il y en a pour des millions de, de dollars de l'époque, mmh. dit-on. Alors là, il dit OK, vous voulez rien savoir de moi, vous ne voulez pas mon expertise, moi je m'en vais euh, où c'est qu'est le moton, mmh. comme dirait l'autre. Puis, euh, <laughs> puis, puis là, il a contribué il à la fondation. Va aux états. <laughs> oui, bien, à l'Angleterre de l'époque, oui. et, et il a contribué à la fondation de la, la védit voilà. Mais on parlait de. Mais, mais quand même, Pierre Lemoyne du s'est marié, il a eu par la suite des enfants, mmh. donc il s'est marié par la suite, après cet épisode, et il a eu des enfants. Je... Oui, oui. Euh, Mais ça, et ça, d'ailleurs, c'est n'est pas tout à fait clair parce que euh, un moment de, euh, une fois qu'il a été euh, capitaine et qu'il a commencé ses aventures de, de marin, il est revenu après la baie du Son. il est presque pas euh, en, 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 au Canada de l'époque, c'est-à-dire dans la vallée du Saint-Laurent. Il a essentiellement euh, navigué en France il, il devait aller à Versailles souvent pour convaincre Pontchartrain, le ministre de la Marine d'investir dans la Nouvelle-France et de financer ses expéditions. Et après ça, il est allé en Louisiane, il est allé, donc il se promenait beaucoup et il a, il a eu un domaine à la fin de sa vie en France euh, où sa femme et, et certains de ses enfants sont restés aussi. Donc mm -hmm. il a probablement eu une descendance euh, bicéphale à, en France et euh, au Québec. Alors sa, sa carrière de, de marin, de navigateur, elle commence vraiment au milieu des années 1680. Euh, presque au même moment où il a ce petit problème avec la justice. mais Peut-être juste un mot sur la Nouvelle-France à ce moment-là. Euh, c'est quoi les enjeux? Comment ça se passe avec les Anglais ou avec les Iroquois à ce moment-là? C'est ça. C'est une colonie qu'on qu qu appelait dans les livres d'histoire un, un colosse au pied d'argile parce que c'est un, un territoire qui, à l'apogée de son, son territoire, donc vers la fin du, du, du 17e justement, s'étend de la baie du Tusson jusqu'aux Rocheuses. Jusqu'au golfe du Mexique, puis jusqu'à l'Atlantique avec euh, avec l'Acadie. Donc, c'est un territoire absolu. C'est un continent. Littéralement, c'est un continent, mais qui, n est, qui, n est, qui est extrêmement peu peuplé. Mmh. Essentiellement dans la vallée du Saint-Laurent. Puis dans ces années-là, on parle de peuplement de 6 500 personnes environ. Mmh. Donc, c'est très peu. Euh, donc, on, et c'est un et la Nouvelle-France à ce moment-là est articulée autour de deux pôles, de deux grandes idées, euh, qui est celle de l'ancrage. La, la, de Paysan, donc le cultivateur qui est très valorisé par les institutions religieuses, oui. et, et le peuplement, les, 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 le peuplement français qui encourage à prendre racine dans le territoire, et le coureur des bois, le voyageur, l'interprète, le truchement, qui lui, euh, faut le comprendre est souvent un jeune Français qui part d'une France sclérosée. On dirait que l'histoire se répète parce que là, j'ai vu cette semaine que les Français font la file pour émigrer au Québec maintenant. Le maire Labaume, là, ces jours-ci. Voilà. Là. Alors, il, il est allé faire du recrutement. <laughs> ouais. Comme j'imagine, les intendants de l'époque, Talon, pouvaient en faire aussi. Mm. En disant aux jeunes, un jeune apprenti, par exemple, un jeune charpentier, qu'il fallait qu'il passe par les étapes du compagnonnage pour devenir, mm. à faire son chef-d'œuvre, c'est très complexe. Alors, les Jésuites venaient les recruter directement en disant c'était capable de, de clouer un clou. Ben, nous autres, faut qu'on construise des églises puis des missions dans grand lac. Fait qu'on a besoin de toi. Donc, les, ces gens-là arrivaient. Ils, ils partaient d'un territoire qui était très régenté, très policé. Euh, la terre, ce n'était pas possible. Si, si tu avais 10 enfants tu, tu léguais la terre, ben, c'était à l'aîné seulement. Les neuf autres devaient se débrouiller. Donc, ils arrivent dans un territoire entièrement euh, vierge où ils il peuvent partir dans le bois. Aller, euh, aller s'amuser avec les Amérindiennes, euh, qui sont à l'époque des, des sociétés très, très libres, où la femme n'a pas de consentement euh, paternel à demander pour jouer au monsieur et à la madame. Euh, donc, ce qui fait que les gros barbus, quand ils débarquent dans le bois, ils, sont, ils, sont, ils, ils font ce qu'ils veulent, ils ont, ils ont du plaisir, euh, ils se promènent, ils vivent des aventures extraordinaires, ils sont libres, ils ont pas de police, ils font leurs horaires comme ils veulent, ils bossent, par exemple, ils travaillent. Mais, mais ça, c'est très attrayant pour les jeunes Français qui débarquent mmh. ici. Donc, mmh. l'imaginaire la la, ou l'ADN québécoise est, en, en, est, est en, entre ces deux pôles-là, l'ancrage dans le sol agricole et la figure du coureur des bois mmh. qui est libre et qui est, un, qui est un, en fait un entrepreneur aussi. Mmh. Donc, à cette époque-là, c'est ça, la Nouvelle-France est essentiellement tournée vers l'économie de la, la fourrure. Mmh. Donc, tous ces grands chapeaux mmh. que portent les Européens. Mmh. Euh, que ça, ça, ça va, ça, ça, en Europe du Nord, les grands chapeaux en feutre de castor qui est très prisé parce qu'il est mmh. imperméable mmh. et euh, qui donne une, une fourrure de qualité. Donc, c'est la coquetterie des hommes européens, essentiellement, qui a permis à la Nouvelle-France de, de s'implanter. Mmh. Parlez-nous donc de cette première grande expédition à la baie James, la baie, au nord. À la baie du Toussaint. À la baie du Toussaint. Comment ça se passe et pourquoi? À, ce, à cet endroit-là précisément. Alors à ce moment-là, il est, euh, il fait partie d'un, il s'intègre avec un de ses frères, deux de ses frères d'ailleurs, dans un, une expédition pour aller reprendre la baie du Ton aux Anglais, parce qu'à cette époque-là aussi, c'est, c'est, la France et l'Angleterre se disputent le continent européen, mais c est, c est, c est, ça se ça se répercute dans la dans la banlieue ou dans l'arrière-cour aussi. Sur le continent, c'est la même chose. Les Anglais, les Britanniques sont sont confinés entre les Appalaches et l'Atlantique, mais euh, ils contrôlent évidemment eux autres aussi le commerce de fourrures. Et on s'aperçoit rapidement que les, les castors du Nord, le, le, leur fourrure est de plus grande qualité parce que plus épaisse, parce qu'il fait plus froid. Et, et la baie du Tson est un territoire privilégié pour la trappe, la prise des fourrures. Donc essentiellement, il s'agit d'aller implanter un fort. Soit sur la baie de James, soit sur les bords de la baie du d'attendre que les Amérindiens nous ramènent la récolte de, de l'automne ou de l'hiver, et au printemps on accumule ça dans le fort, et au printemps on repart avec ça par le nord euh, en Angleterre ou en France. Et donc d'Iberville, euh, c'est le mandaté par le gouverneur, et, et, et il fait partie d'un contingent d'une centaine de personnes, d'un détachement mené par des Amérindiens. Donc il part au mois de mars avec des canons, des, des, des traînes de sauvages en raquettes, avec des traîneaux à chiens. Il euh, faut s'imaginer, je veux dire, aller à la baie James en auto maintenant, c'est long. Là. Alors, il faut s'imaginer la démesure de se rendre là seulement. Et euh, finalement, il se rend là. Les, les, il se les... rend là pour faire la guerre. Ouais, pour, pour, pour faire la... Oui, c'est ça, parce qu'un coup oui. rendu, le parti n'est pas fini, ça, ça commence. Oui. Et, et donc, il doit capturer, euh, il doit capturer le fort et se rendre maître de, de, du territoire de la baie du son pour dire aux Amérindiens vendez-nous euh, vos fourrures à nous autres. Et donc, il arrive au fort et les Anglais ont, sont très bien armés, mais ils n'ont pas trop pensé aux provisions. Alors, euh, il, il les assiège et au bout de quelques jours, les Anglais sortent les mains sur la tête. Il prend possession donc du fort, des fourrures, des munitions et même, euh, même d'un bateau qui était à l'ancre aussi. Euh, donc, rapidement, euh, un, cette expédition-là est un triomphe. Lui il était lieutenant de l'expédition parce qu'il était très jeune. Euh, à l'époque, il avait dans la jeune vingtaine, mm -hmm. et il revient en, en revenant à Montréal déjà, il, il a réolé de sa, sa première grande mission, qui est un, un, un franc succès. Alors cette expédition euh, à la baie du Son, qu'est-ce qu'elle révèle sur l'homme, sur ses talents, sur ses capacités ben, Rapidement, quelqu'un qui, 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 qui est capable d'intrépidité, mais c'est un analyste, c'est un, 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 un génie militaire en fait. Euh, vraiment, il, il comprend. Il comprend qu ce qu'il faut faire pour, pour comment faire la guerre, en fait. Et la guerre, il a fait, euh, il, il adapte sa guerre au territoire. C'est-à-dire que la plupart des Européens qui viennent ici, que ce soit les Anglais ou les Français, ils se battent dans la neige avec leurs grandes redingotes, puis leurs gros canons, puis ils, 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 ils sont pesants, ils sont pas mobiles, ils sont, ils sont figés. Alors que lui... Comme il intègre les détachements amérindiens, comme son père connaît bien les amérindiens parce qu'il parle plusieurs langues et qu'il qu les a côtoyés dans le commerce de fourrures, il adapte aussi ses techniques, il utilise les raquettes en hiver, euh, il voyage beaucoup plus léger, il est capable de frapper rapidement. Euh, toute sa vie, il va privilégier les attaques hivernales parce que justement, euh, le général hiver, lui, s'en fait un allié, euh, au contraire de Napoléon qui s'est embourbé euh, mmh. en Russie, au contraire des Anglais aussi, au contraire de certains Français aussi qui n'ont pas réussi à... À, justement, à utiliser ce que l'hiver pouvait faire à l'ennemi plutôt que, que de le subir soi-même. Et donc, il, il, il connaît la géographie parce qu'il est né sur le territoire. Il a, lui, avoir froid aux pieds, ça le dérange pas. Euh, et il est capable de, rapidement, il est, et on voit qu'il y a un ascendant sur les... Euh, sur, il, y a, il, y a, il y a un respect des hommes parce qu'il qu apprécie sa, sa, à la fois son courage et aussi sa prudence parce que... Si tu n'as jamais, si jamais perdu une bataille en 20 ans, il faut pas que tu sois trop téméraire non plus. Mmh, mmh, Donc, c'est mmh. quelqu'un qui est capable d'analyser la situation dans un premier temps et de convaincre les gens de, de faire ce qu'il faut mmh. euh, pour, euh, pour parvenir à ses fins. Vous parliez des attaques en hiver. Il va, il va mener une attaque, une, une offensive. Hein. Durant l'hiver 1690, euh, le, le gouverneur de la Nouvelle-France, Frontenac, lance trois raids, trois attaques, dont l'une dans l'État de New York à Schenectady, oui. euh, qu'il dirige. Oui. C'est en février 1690, c'est en plein hiver, c'est vraiment pas à la porte. Euh, Faites-le en auto, vous allez voir que chez dit, c'est loin. Euh, et, mais c'est une attaque dure contre un village d'anglo-américains, de, de colons anglo-américains. Anglais, anglais, oui. Parlez-nous de ça, parce oui. qu'on on peut dire que c'est une page plus sombre, plus difficile. Oui, ben, c'est-à-dire que... C'était justement à la suite des attaques iroquoises incessantes sur Montréal. Montréal à cette époque-là vivait dans la terreur des, des attaques iroquoises. C'était qu'un qu fortin de, de palissades et qui pouvait se faire à, à tout bout de champ attaquer par, par les Iroquois. Et euh, ben, le gouverneur et lui avait compris que, que, les, que les, les Iroquois étaient armés par les Anglais plus au sud. Et donc il a dit ben, on va aller les frapper au cœur là où ça fait mal et on va aller les attaquer chez eux en plein hiver. Alors ils s'y attendent absolument pas. C'est une petite bourgade, de, un petit fortin de palissade. Ils attaquent en hiver, en raquette, en pleine nuit. Euh, ils brûlent, ils, ils tuent, ils scalpent euh, et ils repartent. Ils, ils en laissent aller quelques-uns pour qu'ils puissent raconter la terreur de, de Diberville. Mmh. Et euh, ils repartent aussi vite qu'ils sont arrivés. Les Anglais sont embourbés dans la neige, ils ne peuvent pas le rattraper, puis il, il est déjà parti. Mmh. Donc, euh, bien sûr que... <laughs> moi, c'est ça, ça... Je veux dire, à partir du moment où tu fais la guerre, à partir du moment où tu es un soldat, tu, euh, je veux dire, un soldat gentil qui tue des gens gentiment, ça n'existe pas. Là. Je veux dire, à un moment donné, il faut accepter que quand, quand on fait la guerre, ben, malheureusement, ça va, euh, ça va coûter des vies humaines. Parfois, ça va être violent. En fait, euh, mmh. le plus souvent, ça va être violent. Et ça fait partie de son, de son caractère. Et et euh, ça fait partie de lui, moi. Je oui. veux dire, je... On pourrait dire aussi que c'est une riposte à ce qu'il avait eu, le massacre de la Chine de, la Chine, de, de 12, 1689. Oui. Les contemporains parlent d'une centaine de morts. Les, les, les dernières données disent qu'il y en a eu moins qu'on pense, mais ça a été, ça a créé une oh, frayeur, c'est un traumatisme, c'est un absolu traumatisme. À la suite de ça, qu'on fait venir d'ailleurs le, le régiment Carignan-Salianne. Non, pas tout qui, à fait. Ça, lui qui était venu, oui, qui était oui. venu déjà C'était en 1665, mais non, mais je comprends mais, ce que vous Mais c'est dans cette logique-là oui. qu'on faisait venir des, des, des soldats pour dire, bien, il oui. faut, il faut protéger absolument oui. Ce, oui. cette ville et cette jeune colonie qui n'est pas capable de se défendre contre des attaques de guérilla, en fait. Oui, en effet. Euh, là, en 1694, il va retourner en baie Peut-être nous raconter euh, pourquoi à ce moment-là. Mais C'est parce, parce que ça, ça joue… Lui, puis d'Iberville, ça, ses exploits sur le terrain vont systématiquement être contrecarrés, contre contrariés par euh, les perruques de Versailles. Parce que euh, à chaque fois qu'il gagnait un territoire, euh, souvent euh, la, la France le rétrocédait à l'Angleterre par un traité. Et d'ailleurs, il y aura ce mot aussi bête comme un traité de paix. Parce que pour lui, ça sous-entend, OK, là, vous avez cédé la baie du Ton, là, je suis encore poigné pour y retourner, pour, euh, parce qu'il parce qu faut faire la job, parce que là, vous l'avez cédé. Mmh. Donc là, à ce moment-là, c'est probablement au cours de cette, je ne sais pas si c'est là ou la deuxième, mais mmh. au cours de ces bagarres. Et là, cette fois-là, il retourne en navigateur, donc par le nord. Il contourne le Québec, la Terre-Neuve, il contourne par la baie d'Ungava, par le nord. Et là, c'est là, au cours de ce voyage-là, qu'il assoit sa légende de corsaire intrépide. et... et euh, et en fait, euh, je veux dire, invincible, hein, littéralement invincible. L à partir de ce moment-là, il va être la terreur des Anglais sur le continent américain parce qu'au euh, début, au début, il est à la tête d'une flottille de trois vaisseaux et, et qui s'en va reprendre le fort euh, en bas, le fort Nelson. Et euh, le matin, il y a de la brume, la brume se dégage, il aperçoit trois navires anglais, il fonce sur eux, sans, sans, ni une ni deux. La brume se dissipe, il s'aperçoit que ses deux autres vaisseaux ne sont plus avec lui. Donc, il attaque. Trois vaisseaux à un contre trois. Ceux qui ont déjà joué à risque, là, le jeu de table, attaquer à un contre trois, ça a aucun sens. C'est suicidaire. Lui le fait et au, au, au cours d'une bagarre qui dure plusieurs heures, c'est que ces gens six heures à se canonner sans arrêt dans les glaces d'Abéducton. Lui, il coule un bateau, il en met un en fuite puis il en, il, en, il en capture un. Et là, il arrive avec son fameux navire, le Pelican, qui fait partie de sa légende. Et d'ailleurs, si vous allez à Radio Canada, il y a la petite réplique du Pélican de D'Iberville dont on s'est servi pour faire le tournage de l'émission sur D'Iberville avec Albert Miller dans le rôle titre. Si vous êtes descendez en bas dans la Grande Tour, vous allez la voir, cette réplique-là. Ce navire-là de 42 canons, qui est un vrai, vrai navire de guerre, un authentique navire de guerre, qui ressemble un peu à la licorne dans Tintin, la licorne. C'est un, un, un vrai bateau de guerre et qui a fait la, la, la gloire et la fortune de D'Iberville. Et là, il arrive au Fort Nelson. Son bateau est à peu près à moitié coulé. Et les Anglais disent, oh non, pas encore d'Iberville, et ils sortent les mains sur la tête, et, et ils capturent le fort ils capturent les fourrures, et ils reviennent à Québec encore avec ça. Et deux ans plus tard, c'est autour de Terre-Neuve. Et là aussi, c'est vraiment... Euh, oui, alors, ça, voilà, ça fait aussi sa légende. Euh, oui, parce qu'à Terre-Neuve, ce qui, ce qui se passait, si on veut comprendre l'histoire, il faut d'abord comprendre la géographie, il faut comprendre comment le territoire est organisé, puis pourquoi, pourquoi se passent les événements qui se passent. Donc… À l'embouchure du Saint-Laurent, dans l'espèce les, les, de, de, de tenaille du golfe, il y a au nord Terre-Neuve, au sud l'Acadie. Et ces deux territoires-là sont convoités et opérés par les Anglais jusqu'à temps que D'Iberville aille libérer ça, parce qu'il s'aperçoit rapidement que si les Anglais contrôlent ces deux, ces deux pinces-là, l'accès au fleuve et donc à la Nouvelle-France va être coupé pour la France, et donc ça va être la mort de la colonie. Et donc, à Terre-Neuve, on l'envoie effectivement récupérer les pêcheries de morue qui sont sur li le littoral sud de Terre-Neuve et le littoral est. Et lui, ça se ramasse là, toujours au même modus operandi, en hiver avec des, des Canadiens, donc des des, ouais, des volontaires. Des, des, des volontaires, volontaires d'ailleurs, parce que sa légende est tellement forte que... Mais on, voilà, c'est qu'à un moment donné, tout le monde va aller se battre pour lui. Les plus, <laughs> les plus toughs euh, ont compris que c'est avec lui que ça se passe, d'autant qu'on partage le butin. Donc, on a tout avantage à s'allier avec quelqu'un qui va gagner. Et, euh, et lui, donc, il est mandaté à la fois pour euh, évincer les Anglais de Terre-Neuve et récupérer le, le, le commerce des morues, qui est très, à cette époque-là très lucratif. Et euh, lui-même va en faire bon usage pour sa, sa fortune personnelle. Donc, en même temps qu'il met son épée au service de son roi. Ils euh, il, il se remplissent le porte-monnaie aussi. Oui, parce Donc, que c'est ça, il faut, il faut peut-être comprendre ce qu'est un corsaire. Voilà. Alors, la figure du corsaire, c est, c est, en d'autres termes, c'est un pirate légitimé. C'est un pirate d'État, en fait. Donc, euh, oui, il y a des lettres. C'est du partenariat public-privé. Ben oui, c'est un peu. C'est vraiment ça, en fait. C'est exactement ça. C'est comme ça que je le présente à mes étudiants. C'est un PPP. Oui. C'est. Puis c'est très juste de le présenter comme ça, parce que le roi de France dit Bon, nous, il faut mettre les Anglais dehors. D'Iberville dit OK, ça prend, des, ça prend des, des bateaux, des canons, des armes. Il faut que je paye mes marins, il faut que je paye mes soldats, il faut que je paye mes provisions. Fait que donne-moi de l'argent. Et souvent, ce qui se passe, c'est que le roi dit J'ai pas une scène, moi, de signer un beau papier, euh, tu es autorisé à manœuvrer au nom du roi de France. Donc, tu peux recruter tes gens, tout ça, et euh, ben, paye-toi avec le, ton butin, en fait. Donc, euh, avec euh, ton ce que tu vas ramasser. D'ailleurs, en France, ceux qui s'occupaient des impôts, c'était comme ça qu'on fonctionnait. Tu dois me ramasser tant d'argent dans telle région, et puis tu ramasses l'argent, et puis tu gardes, tu tu gardes ta cote. Ouais, ben, Alors, c'est un peu la même façon qu'on fonctionne avec les, les pirates ou les corsaires. Oui, voilà. Donc, ce qui dit, <laughs> qui dit c corsaire, évidemment, c un, on, quand on voit un corsaire, on voit… Euh, le, 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 le capitaine Morgan avec un pied sur le baril de Rome, son grand <laughs> chapeau emplumé. Il y, a une, il y a une certaine noblesse, une certaine élégance au corsaire, ouais. mais ça demeure pas moins que c'est un pirate. On l'a bien vu à Shenak Tadi, puis à Terre-Neuve, c'est épouvantable. Il, il, il fait des razzias dans les villages et c'est sauvage. C'est très sauvage. Mmh. C'est violent, c'est sauvage, c'est mmh. brutal. Et, et ça permet aussi de, 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 de le faire précéder par sa réputation en disant «Diberville s'en vient, tous aux abris». Euh, ranger vos enfants parce qu'il va les manger pour souper. Mmh. Euh, et donc, euh, il, il se rend rapidement très maître de Terre-Neuve et, et des, euh, des, des pêcheries de, de morue. Mmh. Il, il a l'ambition à, à cette époque-là même de se faire nommer gouverneur de Terre-Neuve mmh. pour mmh. gérer la morue, justement, puis protéger ce territoire-là, qui est la, le verrou aussi entre la baie du son, parce qu'on passe entre Terre-Neuve et le Québec, pour, euh, pour puis les labrador pour aller en, en la baie du son, et la porte d'entrée du golfe et de la colonie euh, plus au sud. Mais les, les, les rois de France ne veulent pas nommer un, un Canadien. Donc, déjà, euh, les maudits Français ont déjà des préjugés à l'endroit des Québécois et, et, euh, et considèrent, euh, considèrent que ces gens-là, considèrent les, les natifs de la Nouvelle-France comme des, des rustos euh, indignes de fonctions euh, politiques ou protocolaires. En tout cas, ça viendra plus tard, puisque Vaudreuil, le dernier gouverneur de la... De la Nouvelle-France sera un Canadien, ouais. mais ça viendra plus tard. Probablement parce que. C'était prématuré, probablement. À cette époque-là, il ce n'y avait plus aucun Français qui voulait de la job. <rire> 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 probablement. Euh, Terre-Neuve, hein, euh, ouais, poste de prestige. Euh, on peut Maintenant, c'est en Louisiane. Là, après, dernière, dernière étape. Euh, où il se distingue et on, on le considère comme le fondateur de la Louisiane, ce qui est presque injuste pour Cavalier de la Salle, oui. mais ça, ce serait un autre débat. Oui, c est, c est. Mais comment ça se passe? Comment il en vient à se tourner vers la Louisiane? D'abord, c'est ça, ça que moi, que j'aime de, de, de cette figure-là, c'est que oui, c'est une figure soldatesque et militaire et, et un habile guerrier, manœuvrier, mais c'est aussi quelqu'un qui va voir plus loin que, que le bout de son, son arquebuse, parce que... Euh, le, le Mississippi, vous en avez parlé tout à l'heure, avait été exploré par La Salle et, et Joliette, euh, mais on avait dû interrompre l'exploration vers le sud à cause des guerres amérindiennes et ils avaient dû retourner. Donc on se disait, il doit bien déboucher à quelque part, mais où, on ne le sait pas, peut-être en Californie, peut-être au Texas ou peut-être dans le golfe du Mexique. Donc a priori, on l'envoie comme explorateur cette fois-ci, non pas comme guerrier, mais comme explorateur pour découvrir la bouche du Mississippi. Pour, parce que le Mississippi, en remontant vers le nord, ça nous mène à la vallée de l'Ohio, ça nous mène au Grand Lac, mmh. ça nous mène au Saint-Laurent. Donc, ça nous permet d'accéder à la Nouvelle-France, au Canada, par le sud. C'est une autre porte d'entrée. Mmh. Donc, on se dit tout d'un coup que le golfe est bloqué par les Anglais. On va, on va pouvoir euh, activer, euh, avoir accès au territoire. Donc, comme explorateur, ça ne prend pas tellement de temps. Il y avait des indications contraires ouais. de d'autres explorateurs. Donc, parce lui... que Cavalier de la salle s'était rendu jusqu'au golfe du Mexique, mais il n'avait pas été capable de trouver l'embouchure à son ça. deuxième voyage. Et lui, ça n'a pas trop pris de temps. Il a, mmh. il a étudié les cartes puisqu'on avait dit, puis vraiment, il a, été, il a été assez rapide. Ou ouais. bien il a été chanceux, ou bien il était vraiment ouais. bon. Peut-être ouais. les deux. Ouais. Mais ça a été assez rapide. Et là, il a trouvé l'embouchure. Dès le début, il a commencé aussi à des alliances avec les Amérindiens, parce que il euh, y avait déjà les Espagnols qui étaient à Pensacola, en, en Floride à côté, mais eux n'étaient pas très, très bien euh, posés sur, sur ce territoire-là. Ils étaient à l'époque alliés des Français. En fait, ils étaient des alliés circonstanciels. Tous les deux avaient peur et détestaient les Anglais, donc euh, ça les rendait complices des fois. Et les Anglais étaient euh, jusqu'en Caroline, en fait, jusqu'à la Floride, euh, confinés donc, par les Appalaches, mais rapidement... Euh, ils faisaient des sorties de l'autre côté des Appalaches et ils avaient des vues sur le reste du continent, bien sûr, bien évidemment. Et, et, et D'Iberville disait il faut que les populations amérindiennes, qui étaient très nombreuses à cette époque-là, avant que les Américains les déplacent de l'autre côté du Mississippi euh, avec la route des larmes, mais à l'époque, il y avait plein de différentes nations qui, étaient dans le, qui se faisaient souvent la guerre entre elles, à cause des Anglais, justement, qui les montaient les uns contre les autres. Mais D'Iberville disait les Amérindiens pourront servir à la fois de bouclier contre les Anglais s'ils veulent déborder les Appalaches, et aussi de forces d'attaque si on veut les attaquer par, par l'arrière. Et, et donc, il, avait, il a entrepris rapidement des entreprises diplomatiques pour pacifier ces nations-là entre elles et les mettre euh, du côté des Français aussi. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, il explore le Mississippi, il connecte et il, il fonde euh, le fort de Mobile, euh, de la rivière Mobile, euh, qui, est, qui est en Alabama maintenant, Mobile en Alabama, où il y a d'ailleurs une statue de lui. Si vous allez à, à Mobile en Alabama, vous allez pouvoir voir une statue de, de Diberville. Il a fondé aussi Biloxi euh, au Mississippi, et il a été à ce titre euh, le premier bon fondateur et au gouverneur de, de la Louisiane, de ce qui va devenir la, la Louisiane. Mais justement, mais comment il voyait la Louisiane Est-ce qu'il voyait la Louisiane comme une vraie colonie de peuplement ou un poste de commerce. Comment il voyait ça? C'était quoi, essent... quoi ses aspirations pour la Louisiane? C'était essentiellement pour, pour emmerder les Français, les Anglais, en fait, et, et, et empêcher que les Anglais débordent de, du, du continent. Mais rapidement, il fait venir des Amérindiens et des coureurs des bois pour, euh, fa, pour faire, euh, pour le trafic de fourrure. D'abord, pour lui, pour lui, personnellement aussi, parce qu'il il, s'en met plein les poches quand il y a des cargaisons de fourrure. D'ailleurs, il attend toujours un petit peu, quand il est no, mandaté par le roi, il attend toujours un petit peu, avant de s'en revenir, qu'il y ait une cargaison de fourrure d'hiver qui arrive. Puis là, il ramène ça en France, ou il ramène ça. Fait que, il, il joint l'utile à l'agréable, si on veut, avec la, avec la fourrure. Et il, il fait venir des coureurs des bois aussi. Et ce qui ne, ce qui ne fait pas plaisir aux marchands de fourrure canadiens du Nord, donc de sa patrie d'origine, qui, euh, euh, laisse traîner sur lui des commérages salisse sa famille à Montréal, qui restait à... Et ça, ça le blesse énormément parce qu'il entretient une correspondance avec sa famille. et Il dit mes frères, malheureusement, et ma famille souffrent euh, de mon, de, de mes, de mon, euh, si on veut, de mes, de mes aventures en Louisiane. Et ça, ça le blessait, ça l'embêtait euh, parce que les marchands, évidemment, euh, voyaient le, le commerce de fourrures qui était détourné, euh, le commerce des grands lacs. Soit ils partaient par le Saint-Laurent au nord. Ou soit, le, d'Iberville lui, voulait le faire descendre euh, en Louisiane. Et à cette époque-là, en, en 1701, il, il peine aussi, ça, on n'en a pas parlé, mais il peine beaucoup à intéresser Versailles, le roi de France, Montchartrain. À la, la Nouvelle-France, parce que c'est un grand territoire et il n'y a, 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 a pas eu vraiment de découverte de mines d'or. Ce qui intéressait beaucoup le roi à l'époque pour les armureries, pour les, armuries, pour les, 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 les fonderies, c'était les métaux, l'or, les mines, en fait. Il n'y en avait pas tant que ça en Nouvelle-France et il peinait à dire bon, il y a de la fourrure, oui, mais, mais encore. Mm -hmm. Il y a des fleurs, il y a des plantes, oui, mais encore. Il y a de la morue, oui, mais encore. Pour le roi, c était, c était, ça, ça coûtait cher, la Nouvelle-France. Mm -hmm. Il était occupé ailleurs aussi euh, en mm -hmm. Europe. Et il avait de la misère à, à, à se faire légitimer, puis à dire, il faut peupler, il faut peupler. Mmh. Et il a dit au roi, au roi de France dans un mémoire, il faut absolument s'occuper euh, de, de, de la Louisiane, puis de peupler, parce que sinon, d'ici 100 ans, les Anglais vont traverser les Appalaches et ils vont se rendre maître de tout le continent. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Oui, il y a un mémoire, en effet, que j'ai relu, là, qui est cité par Frégo, qui est vraiment prophétique, c'est oui, incroyable. Ça. Euh, mais en même temps, euh, il, il réussit pas à attirer autant de colons qu'il voudrait, d'intéresser Versailles. Mais lui, en tout cas, il a des projets euh, par rapport justement à, aux Anglais. Il a des, il, il a en tête ah, oui, quelques lui, opérations oui. euh, au tout début du XVIIIe siècle. Oui, c'est pas, c'est pas piqué des ventes. Non, non, c'est pas, c'est pas de la petite bière. Euh, bien, euh, juste pour terminer avec le, avec le, 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 le tiraillement, si on peut dire, avec la Nouvelle, la, la Louisiane, c'est qu'au même moment où il fonde la Nouvelle-France en 1701 il y a euh, mon ami Cadillac, Antoine Lamotte, euh, qui lui s'en va fonder Détroit, qui est mandaté par Frontenac pour aller euh, fonder Détroit. Donc, il part de euh, la, la Nouvelle-France en 1701 avec des canaux, des rabascos, 100 personnes, et il s'en va euh, à la colonie de Détroit, qui est l'endroit le plus étroit entre Windsor, la, la rivière Détroit, qu'on peut, peut permettre de contrôler l'accès au Grand Lac avec ça. Et donc, le, cette colonie-là, à cause justement de sa mauvaise administration, parce que Cadillac euh, vend de la fourrure aux Anglais, euh, vend de la boisson aux Amérindiens, s'engueule avec les Jésuites, puis il fourre ses colons en les surtaxant. Donc, il se met à dos tout le monde. Il y a un procès à Québec, et vers 1710, on songe même l'administration la, 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 coloniale songe même à fermer carrément à Détroit, à mettre la clé dans la porte, pour rapatrier la colonie en Louisiane. Bon, finalement, ça s'est pas fait. Et Cadillac a quand même été. Je ne sais jamais compris pourquoi. Euh, après son procès, on l'a nommé euh, gouverneur de la Louisiane. Donc, pour le récompenser, on l'envoie avec les alligators et les mouches. Euh, puis après ça, lui est retourné en France. Mais vous voulez oui. dire qu'autrement dit, il y avait comme une concurrence entre Détroit, voilà. et, euh, et, Détroit et, 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 la, et la Mobile. Exactement. Ah, oui. okay. Il y avait une conférence, une concurrence de, de ouais. ressources, parce qu'on ne peut pas affecter euh, ouais. tous les colons non plus, tout ouais. l'équipement, toutes les ressources. Et ça a été finalement un peu mi-fig mi-raisin. Mmh. On, a, on, on, a, mmh. on a joué à peu près, on a investi dans ni l'un ni l'autre, mmh. ce qui fait qu'on les a plus ou moins perdus. Mais, en fait. mais pendant ce temps-là, il avait des projets, des opérations oui, assez parce que, euh, à, rapidement. Il retournait souvent en France. Et là, moi, c'est ça qui m'étonne aussi. C'est qu'on parle depuis tantôt d'un pirate, d'un guerrier sanguinaire, d'un explorateur qui parle avec des Amérindiens. Et quand il retourne en France, il faut l'imaginer en escarpin avec sa perruque. Et là, il faut qu'il convainque, il faut qu'il aille faire des, des révérences dans les salons. Euh, il faut qu'il convainque les courtisans, les barons, euh, plein de gens de s'intéresser. Il faut qu'il y ait des gens de commanditaires. Tu sais, on parle de partenariat public-privé, mais il faut aussi qu'il trouve des commanditaires qui s'intéressent à ses projets. Donc, parmi la haute cour de Louis XIV. Et donc, là, pour ça, il faut qu'il s'habille bien, il met sa perruque, puis là, peut-être qu'il laisse son épée au vestiaire, puis là, bien, il, il, il met de l'avant ses belles manières. Euh, et il essaie justement de convaincre le roi qu'il faut s'occuper des Anglais rapidement dans les colonies, parce que sinon, ils vont prendre le continent. Et il a comme projet, vers la fin de sa vie, euh, de pouvoir aller bombarder euh, New York et Boston, euh, parce que c'est parce que là que ça se passe. Et, 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 et vers la fin de sa vie, donc là on parle des années 1703 à peu près, il est souvent malade, il a la fièvre, la malaria, et ça le ralentit dans ses projets. Quand il est prêt à partir, il a la fièvre. Après ça, Pontchartrain ne veut plus qu'il parte. Fait que il est, sa, sa fin de vie est un peu difficile. Lui qui a tellement conquis tout le continent, vers la fin, il est bloqué entre la fièvre et l'administration. Et ça le, ça le ralentit. Dans, dans, et par contre, il a le temps d'échafauder ses projets. Mm -hmm. Puis vraiment, vraiment lui, c'était l'idée de faire une Amérique française là, mm -hmm. euh, mm -hmm. euh, au complet. Et, et en 1703, il part euh, il réussit à avoir une petite, une, petite esca, une petite escadrille de bateaux. Il va à Nevis, dans les, dans les Antilles, attaquer les Anglais. Encore là, euh, avec une sauvagerie, une brutalité euh, et un succès euh, inégalé. Et à la fin de sa vie, il se stationne vers la, à la Havane. Euh, il ancre son bateau dans la baie de la Havane pour s'allier avec les Espagnols pour aller attaquer New York et Boston. C'est son grand projet qu'il ne pourra jamais réaliser parce qu'il il n'a perdu qu'un seul combat c'est contre la mort, en fait, qu'il l'a surpris en 1706 à la Havane dans des circonstances extrêmement mystérieuses qui sont jusqu'à ce jour non élucidées par les historiens il y a plusieurs hypothèses une que ce soit, voulant que ce soit la fièvre qui l'ait emporté finalement parce que euh, à versailles il était attaqué euh, par la fièvre au point de pouvoir y rester presque et là donc c'est possible il y avait des, aussi des épidémies sur son bateau à cuba aussi euh, et euh, une autre qui, voulant qu'il ait fait un souper avec un, un corsaire espagnol sur son bateau dans la baie de la havane et les deux sont morts le même, le même jour le même soir il euh, y en a qui disent qu'il aurait pu être empoisonné par des espions anglais, ce qui n'est pas, ce qui pas euh, impossible, considérant, euh, considérant le, le cauchemar qu'il était pour les Anglais et les, les plans et les dessins qu'il avait. Qui, qui avaient peut-être été connus. Ouais. Oui. Euh, on n'a pas beaucoup, nous, euh, vous le disiez, connu euh, Pierre Lemoine d'Iberville. Euh, c'est quand même incroyable que ces, ces restes soient encore à la Havane, qu'on n'ait pas ouais. pensé les rapatrier. On voudrait peut-être lancer une pétition. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait, parce que, c'est presque comme le tombeau de Champlain. Ça, ça fait partie de la mythologie. Si vous allez à La Havane, dans le vieux port de La Havane, il y a une statue de Pierre Lamoine d'Iberville qui est connue là-bas par les Cubains sous le nom de El General Don Pedro Berbila. Et il, est, il a été enterré euh, à, à, à l'église San Cristobal, euh, qui a été déménagée pour devenir une cathédrale. Et c'est pas clair, est-ce qu'on a déménagé ses restes? À la, de l'église à la cathédrale, ou est-ce que ses restes sont encore à la petite église? Ça resterait à élucider. Ça prendrait une entreprise, effectivement, diplomatique, peut-être pour, euh, pour aller faire des fouilles euh, mmh. conjointes euh, Cuba-Québec, euh, qui sait, Canada. Et, euh, et maintenant, voilà son. son euh, sa, sa, jusque dans sa mort, il nous aura échappé, en fait. Dans ouais. un, il aura été entouré de mystères et il. Euh, il oui, on pourrait rapatrier ces ossements dans un panthéon, mais on aurait surtout un grand film à faire. S'il si y en a qui, qui, qui cherchent des scénarios, là, même pas besoin de romancer, là, sa vie est plus intéressante que le Pirate des Caraïbes, et on pourrait intéresser les, les jeunes à l'histoire assez, assez facilement. Euh, merci beaucoup, Biz. Avec Avec plaisir. Plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, euh, je, crois que, je crois que pour terminer et pour conclure, vous avez un texte. À nous réciter un texte d'ailleurs écrit, je crois, par vous ou par votre groupe, le Colocas, qui peut-être résume un peu. Oui, c'est ces... ça. C'est un texte tout à propos qui s'appelle les, les géants et qui, qui parle de, de, des, des grands héros de, de, de la Nouvelle-France, dont Pierre Lemoine d'Iberville. Nous sommes issus d'un sol immense qui nous a tissés, métissés, rebut de brins de laine tressés, très serrés, sans couture au sein d'une ceinture fléchée, comme quelques queues clinquantes de comètes effilochées. Et si l'on suit une file de notre textile, mène à la sortie du labyrinthe de pain qui nous éreignent depuis qu'ils ont mis nos torts dedans. Ils ont conquis nos territoires, pillé notre histoire et volé notre mémoire. Avec leur thèse de fou, ils nous ont dit, taisez-vous, vous êtes comme taisé, sans sa ficelle, perdu, déboussolé. Vous n'êtes pas vous, vous êtes nous. Vous êtes dissous, vous ne valez pas dissous. Notre substrat vous subsume et la comparaison vous consume. Faux, nous venons d'avant, nous sommes antérieurs. Nous sommes des créateurs, pas des créatures, pas des caricatures. Notre maison n'a pas de cloison, mais quatre saisons. Acclimaté au climat et faisant fi du frimas nous avons parcouru par ses artères tout un continent titan. Notre espèce s'aspire à l'espace et son empreinte est partout, tapis dans la toponymie, gravée dans le granit. Arc bouté dans les arches de nos dingues digues de la muraille de Chine, dans les champs et essouchés sous la lune et les racines d'un être qui ne peut plus plier. C'est une histoire riche qui n'est sur aucune affiche et qu'on a laissé en friche. Dans nos caboches, ce n'est que roche et fardoche, cosmogonie à l'agonie dans le tome fantôme de nos mémoires moisies. Sur nos épaules, on porte pourtant le pack d'un passé épatant, mais allons-nous mourir en nains quand nous sommes nés géants? Sitôt venu au Nouveau Monde, on a dompté les hivers et fabriqué de la terre. On avait la tête à la fête et le cœur au labeur. Opiniâtre, on n'a jamais laissé mourir le feu dans l'âtre. Car nous avons la tête à Papineau, la longue langue locasse de Dacosta, les babines de la Saguine, le cœur corsaire de Diberville qui envoie en nos veines le pur sang mêlé, mêlé de Riel et des Premières Nations. Nous avons l'aviron de Radisson, la vigueur de la jarrets de Joliette et tous les talents de l'intendant Talon. En somme, nous sommes des surhommes uniques, générés par le génie génétique de l'Europe et de l'Amérique. Inéluctablement, nous voguons vers le néant, mais allons-nous mourir en nain quand nous sommes nés géants Alors, si vous voulez en savoir plus sur euh, Pierre Lemoine d'Iberville, alors il faut vous procurer la biographie de Guy Frégo, Iberville le Conquérant, qui a été réédité il y a quelques années chez Guérin. Je vous invite aussi à lire le dernier roman de Biz, qui s'intitule Cadillac, qui a été publié chez LEMEAC donc euh, il y a quelques mois, en 2018. Alors, merci et à bientôt. Merci. Vous souhaitez en connaître davantage sur ces figures marquantes? Inscrivez-vous au cours HIS 4000 de l'Université Luc, un cours consacré à la Nouvelle-France.